Bonjour à tous, je vous emmène en rando VTT à Falempin. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis déjà venu ici pour mon premier parcours de la saison. Mais je n'avais pas fait le parcours comme je voulais, je n'avais pas bien suivi la trace. Donc je voulais revenir. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis également, je voulais revenir avec un peu plus d'humidité. La dernière fois, le terrain était très sec et l'intérêt de ce parcours qui est majoritairement en forêt, c'est d'avoir un peu d'humidité pour que le terrain soit un peu technique. Je vous déconseille de venir s'il y a vraiment plus très fort ou s'il pleut vraiment très fort quand vous le faites, parce que là, le terrain sera vraiment très glissant et à certains endroits, il y a des chances que vous ayez de grosses flaques et que vous ayez besoin de mettre le pied à l'eau. Donc voilà, je pense aujourd'hui c'est le temps idéal. Donc on va bien s'amuser, je pense bien. Voilà, c'est parti! Bon, on va s'amuser. Comme vous pouvez le voir, la végétation a bien poussé. Et on a beaucoup d'orties et de ronces. Donc on va faire ce qu'on peut. J'ai les manches longues, ça va. C'est les jambes où j'ai pas pris. Ah ouais, ça pique. Bon. Bonjour, allez-y. Bonjour. Un peu gras. Légèrement.
cette rando VTT se termine. Donc cette fois-ci, ben, j'ai bien fait les 40 km du parcours. Je me suis bien amusé. Le parcours était bien gras, juste ce qu'il fallait. Donc non, c'est l'intérêt de venir ici, c'est d'avoir un parcours un peu gras. Alors j'ai quand même fait deux chutes. Une première filmée, que vous verrez, où bah, je devais passer au-dessus d'un tronc d'arbre. J'ai posé la roue avant, mais je l'ai pas posé bien perpendiculaire. Et l'arbre était glissant, et puis ma roue était pleine de boue. Donc petite chute, sans gravité, sans me faire mal. Et une autre, où bah, je faisais des singles dans la boue. Et j'ai poussé un peu la machine pour aller un peu plus vite, pour me faire plaisir. À un moment donné, j'ai fait un petit écart. Je me suis pris une souche d'arbre. Et j'ai chuté direct et dans la boue. Donc ça, c'est dommage que je ne l'ai pas. Je pense qu'elle était spectaculaire, je pense. Pareil, sans gravité. Donc voilà, donc j'ai réussi à peu près à suivre la trace. Il y a quelques petites erreurs, mais dans l'esprit, c'est ça. À un moment donné, on avait un chemin avec qui était complètement bloqué avec du fumier. Je me suis posé la question, est-ce que je passais en force ou pas? Et j'ai pas eu le courage, il y avait quand même beaucoup de fumée. Voilà, très content de cette rando. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette rando jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, roulez bien et portez-vous bien. Ciao !